Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 11, et il est 8h pile. Je vous prends très tôt parce que je sens que la semaine va être compliquée. J'espère juste que je ne vais pas tomber malade. Ce week-end, on n'a rien fait puisque Maëlia a une angine. Une belle angine, ça va un petit peu mieux depuis ce week-end. Elle a toujours les boutons au fond de la gorge. Les enfants récupèrent très vite, beaucoup plus vite que toi si tu avais une angine et que tu serais cloué pendant 5 jours en format PLS et en suspense lorsque tu vas avaler ta salive. Eux, en 2 jours, ça va un peu mieux. Voilà. Donc, juste que hier soir, elle a eu envie de vomir, j'ai eu peur, je me suis dit, ah putain, elle va pas me choper une gastro maintenant. Parce qu'il y a des gastro qui sont là, hein, qui sont bien présentes. Et apparemment, elles sont phénoménales. J'ai ma soeur qui a donc sa fille qui a été bien malade, gastro. Et du coup, maintenant, c'est ma soeur qui a une pharyngite. Il y a plein de maladies, voilà. Et il n'y a pas que ce que nous attendons actuellement. Hein. Il y a d'autres maladies comme pharyngite, bronchite, grippe, gastro, angine, otite et qui font super mal. Donc ce week-end, ben, on est resté au chaud. J'ai Laura qui hier a voulu faire des madeleines. Je vous raconte pas le boxon que j'ai eu dans la cuisine et en plus elle les a ratés. Je vais vous montrer tout ça. Le bordel, hein, parce que je viens de me réveiller. Donc le lit qui est en death guy. Hier j'ai commencé à ranger la pièce de Maëlia parce que je suis une addict carton. J'ai jeté des cartons parce que je ne sais pas pourquoi je garde autant de cartons. Mon mari m'a dit, mais tu fais quoi avec tous les cartons? Avant, je comprenais parce que tu avais une boutique, mais là, je comprends plus. Je dis, oui, mais bon, on sait jamais si je dois envoyer quelque chose aux copinotes. Il m'a dit, oui, mais tu en as combien de copinotes? Donc, du coup, j'ai fait du tri. Hier, j'ai rangé, j'ai jeté, j'ai des sacs de vêtements que j'ai retrouvés de 5-6 mois qui vont aller à la Croix-Rouge parce qu'en face de l'école, j'ai tout simplement un grand conteneur blanc où on peut déposer les vêtements. Vous verrez aussi, je pense, aujourd'hui ou demain, j'ai retrouvé des bijoux. Donc, ce que je faisais, j'avais 2 boutiques. J'avais une boutique de bijoux en pâte fimo. Vous verrez un petit peu le travail que je fais, que je faisais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Je ferai des petits lots vraiment pas chers. Parce que bon, moi, il faudrait que je m'en débarrasse. Hein. Si ça peut faire plaisir, j'en mettrai une peut-être création dans le concours Noël qui est balèze, hein, je vous montrerai, il est plutôt pas mal. Le concours qui est en train de se préparer, je vous expliquerai aussi pourquoi il y a autant de produits pour le concours de Noël, parce que je n'avais pas spécialement prévu de faire un concours Noël, mais bon, voilà. Vous comprendrez après, je vous dirai pourquoi. Et j'avais une boutique d'accessoires. Voilà, je revendais des breloques, des apprêts pour bagues, bracelets, colliers et tout. Et donc, j'ai fermé tout simplement, voilà. Je passais par la plateforme Little Market, Little Mercerie. C'est une plateforme qui déjà accueillait donc les vendeurs, hein, un peu comme Amazon, Etsy et AliExpress, où c'est un site qui est déjà fait et vous déposez vos produits, bien sûr vous payez, hein, vous prennent des commissions et vous payez donc pour pouvoir vendre vos produits. Et donc j'ai fermé parce que le site a tout simplement arrêté et a basculé sur Etsy, et moi Etsy j'ai pas du tout approuvé. C'était beaucoup plus cher, c'était moins avantageux que sur A Little Mercery, voilà. Donc je vous montrerai tout ça, et puis ce week-end on n'a rien fait, on est resté à la maison. Rien du tout, on a fait des machines, on a rangé un petit peu. Voilà, un week-end tranquillou, un week-end frisqué, voilà. Et je commence à avoir
Ouais, la gorge depuis hier soir. Alors, vous verrez que je ne suis pas coiffée. Hein, voilà, je vais co me coiffer. Après, je vais me make-upper et je vais tourner cet après-midi la vidéo Jayara Cosmétique parce que j'ai beaucoup de photos close-up réelles et je peux bien donner mon avis puisque ça fait maintenant pratiquement un mois que je teste les produits. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que je tourne cette vidéo, parce que j'ai Maya qui est à la maison jusqu'à mercredi. Le médecin l'a arrêté jusqu'à mardi. Voilà, sur ce, je vais vous montrer un petit peu l'état de ma maison. On va ranger tout ça, je vais mettre mes gouttes, je vais make-upper. Je dois aller à Carrefour pour chercher quelques petites bricoles. Et puis, bah, on se reprendra soit dans le véhicule ou plus tard. Il est 9h30, on va aller déjeuner. J'ai mis mes gouttes, je viens de fignoler mon montage de tuto eyeliner Halloween. Alors je vous préviens, elle fait 32 minutes 50 ou 30. Tout simplement parce que je vous fais 3 liners Halloween. Et dans les 3 liners Halloween, je vous explique un petit peu comment je fais. Le pourquoi du comment que c'est un peu long. Puisque j'ai eu des commentaires en me demandant pour certaines personnes si je pouvais faire de temps en temps des vidéos un peu plus détaillées pour savoir en fait comment je fais. Donc là, c'est vraiment pour débutants, pour celles qui veulent faire des traits d'eyeliner. Et vous verrez si moi j'y suis arrivée, puisque c'est des photos que j'ai reprises sur TikTok et sur moteur de recherche internet. Donc vous verrez cette vidéo, elle sort vendredi à 20h. Donc il faut savoir que c'est énormément de boulot, de temps. Puis moi je suis très perfectionniste, donc j'aime bien mettre des effets, des transitions, des petits bruitages. Donc j'ai mis une journée, voilà, à faire. Donc là, ça c'est ok. Je viens d'aspirer une énorme araignée qui était ici. Bon, énorme. On a eu plus gros. Mais étant donné que là, en ce moment, ben, il fait frais le matin, ça s'est rafraîchi. D'ailleurs, je pense que vous verrez qu'on a même de la brume. Je sais pas si vous percevez ou pas. Si vous laissez aérer les fenêtres, ben, les araignées, comme il fait pouille pouille, eh ben, elles rentrent dedans. Voilà. Et moi j'ai horreur de ça. Donc là j'ai fait le lit à Maëlia vite fait. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que déjà premièrement c'est beaucoup plus hygiénique, mais surtout c'est parce que Maëlia son lit c'est un lit donc cabane un petit peu et donc elle a une télé qu'on lui avait achetée l'année dernière pour son anniversaire juste ici. Donc elle s'en sert l'après-midi ou quand elle rentre de l'école, elle met sa télé et donc elle se met assise ici, voilà. Et le soir elle prend ses petites peluches, elle les met dans le petit lit ici à barreaux que je garde puisque je garde des enfants, voilà. J'ai un tout petit bébé qui va arriver, donc il va dormir ici. Puis après, j'ai des petits matelas que je mets au sol. Voilà. Vu que Maëlia maintenant bah, est à l'école la journée, donc les petits font la sieste dans la chambre à Maëlia. Voilà, puisque elle, elle y joue, oui, mais elle est plus dans la chambre à sa sœur. Hein, voilà. Donc au niveau du rangement, bah, je vous montre juste ici. Là, c'est les cartons que j'ai gardés. J'en ai gardé un petit peu, voilà, mais il y en a encore beaucoup. Pour mon mari, mais bon, je lui ai dit, j'aime bien, laisse mon addiction des cartons. Il m'a dit, mais si tu n'avais que des addictions avec les cartons? Mais non! Quand il voit le make-up là-bas, il devient fou. Les cartons partaient d'ici jusqu'à là-bas. Voilà. Donc là, j'ai mis les cartons, j'ai rangé un petit peu. Bon, vous voyez, il y a une lingette ici parce que j'ai donné des petits coups de lingette. Voilà. J'ai le carton ici pour le concours de Noël. Je vous montrerai ça peut-être demain parce qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Voilà. On a rangé, j'ai rangé les jeux ici. J'ai remis des affaires bah, de boulot. On a trié, on a mis ici et il en a lavé aussi. Voilà. Et puis, j'ai les bijoux qui sont juste ici. Voilà, des bijoux que je faisais, des breloques. Donc, si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, voilà, vous me laissez un petit message et puis vous viendrez soit en privé sur Instagram ou en privé sur mon mail. Vous avez tout ça en barre d'infos. Donc, Maïlia est toujours là. On va déjeuner vite œuf. Ça va, Maïlia? Elle a encore mal à la gorge. On reprend l'antibio. Et je vais vous montrer donc les madeleines à Laura. C'est un désastre. Voilà, donc j'espère juste que ce n'est pas mon four Whirlpool qui est mort parce que il y a un an et demi, on avait eu une énorme tempête. Ça nous avait grillé donc une résistance du four. J'ai un feu de ma plaque cuisson qui ne marche pas.
Voilà. Et je me demande si soit c'est le four, la deuxième résistance est morte, soit Laura a mis beaucoup trop de pâte dans les moules et elle voulait faire des madeleines pour amener à l'école puisque demain ma fille fait 13 ans. Voilà, il faut que j'aille prendre un petit gâteau aussi à Carrefour ce matin pour demain. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout. Je vais essayer de refaire des madeleines cet après-midi. Je vous montrerai le résultat. Je verrai si ça vient vraiment de la pâte ou est-ce qu'elle a mis trop de pâte dans les moules à Madeleine ou est-ce que c'est mon four qui est en train de décéder et j'espère pas parce que c'est pas du tout le moment. Voilà, je ne travaille pas, je commence fin novembre. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à la maman dans la journée ou demain pour fixer déjà les adaptations. C'est pas du tout le moment. J'ai oublié de vous montrer également que j'ai fait donc le changement de saison. Hein, voilà. Donc j'ai mis mes affaires d'automne, d'hiver. J'ai fait un petit tri aussi. Bon, j'ai pas totalement rangé. Il hein, faut que je finisse. Vous verrez que c'est noir. Il y a un peu de couleur, mais un peu de gris. Oui, il y a un peu de gris. Arrêtez, déconnez pas. Il y a trois hauts gris. Le reste, c'est du noir. Voilà, j'aime le noir, c'est comme ça. Je suis toujours habillée en noir. Mon mari croit que je suis toujours en deuil. Mais non, j'aime le noir. C'est comme ça. Et puis le noir, il faut savoir que quand on est une personne qui a des formes. Alors, j'ai des jeans hein, aussi. Hein. J'ai des jeans, hein, voilà. Mais le noir, eh ben, ça affine. Voilà, j'ai l'impression. Après, bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai mis toutes mes robes en bas, tous mes t-shirts en bas. Bon, il faut que je range. Juste le dawa, c'est au niveau des soutifs. J'ai des soutifs qui datent, qui ne me vont plus. Il faut que je fasse un tri. Et j'ai des soutiens-gorge que j'avais achetés. Alors, j'ai dû maigrir. Oui, j'ai perdu 3 kilos. Et ça fait comme la tomate dans le sandwich. Eh bien, la tomate sort du sandwich. Coucou, ben j'ai un saigne à chaque fois sur les soutiens-gorge, il part du soutien-gorge. Voilà. Donc je suis allée faire un petit tour sur Shein et comment vous dire que j'avais déjà acheté un soutien-gorge sur Shein qui était magnifique. D'ailleurs, je le porte sur des hauts où ça s'abaisse un petit peu, où on a un col bateau mais qui descend sur l'épaule, un côté épaule nue. Vous avez dû le voir peut-être dans le vlog le dernier. Et le soutien-gorge, il remonte en dentelle et il a plusieurs lacets au niveau d'épaule et ça fait magnifique. J'en ai trouvé d'autres sur Shein. Franchement, Shein font des très beau soutien-gorge à 5-6 euros. On a des ensembles à 10 euros. Ça coûte beaucoup moins cher que sur Kiabi et sur Gémeaux, hein, soyons clairs. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de choix pour les personnes curvy, hein, voilà, avec des formes. Hein, je suis pas fine. Hein. Moi, je fais un 42-44 en haut et puis pantalon, c'est 44. Donc, je l'assume, je suis pas fine. Et ils font de très beaux vêtements pour les personnes qui ont des formes et des choses vraiment qu'on retrouve pas. Voilà, des choses avec des perles comme ceci, ça vient de chez Shein. On a des hauts comme ceci. Voilà, on a des hauts qui sont plongeants, on a des hauts à col bardeau, des cols carrés, des épaulettes, ce que vous ne retrouvez pas à Gémeaux. Vous en retrouvez à Kiabi de temps en temps, mais c'est du foutage de gueule au niveau des prix. Voilà, au niveau taxes. Ils ont augmenté leurs tarifs, oui, mais ça reste toujours potable sur Chine. Hein. Je trouve que ça reste tout à fait potable. Voilà, donc c'était tout. Je vais déjeuner parce qu'autrement, je dois encore me maquiller. Et si je n'avance pas, je ne ferai jamais mon make-up. Et je ne tournerai pas de vidéo, surtout que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. On est mardi et il est 9h11. Alors moi, je suis réveillée depuis 7h30. Je me suis lavé la tête, donc j'ai les cheveux mouillés, voilà, donc vous voyez. Hein. Toujours les mêmes produits, Jayara Cosmétique, donc je les laisse sécher à l'air libre. Bon, je sèche un petit peu, juste un petit peu ces cheveux pour les mettre en forme. Je vais ensuite juste lisser un petit peu la frange, et puis voilà. Donc, on va pas parler pendant 36 000 ans de mes cheveux, de toute façon, je dois tourner cette après-midi la vidéo. J'ai mis ma petite machine voilà qui est dégueulasse hein. Elle est vieille, je crois qu'elle a 9 ans. La Vite, vous savez, c'est la cire qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Amazon. C'est la Spa Wax Vite. Je l'ai fait en revue au début de ma chaîne.
La qualité est dégueulasse, mais j'ai, je crois, 20 000 vues ou 17 000 vues dessus. Et donc, je fais chauffer ça. Je sais pas si j'ai assez de cire, ouais. Juste pour me faire ici et les sourcils maintenant. J'épile très peu. J'épile vraiment ce qu'il y a vraiment dessous. Puisqu'après, je les surélève en version hibou, soit bro. Et ça nécessite beaucoup moins d'entretien, on va dire. Voilà. Je suis en train de me shooter au strepsil. Parce que j'ai un pic à la gorge. Je vous l'ai dit, hein, que hier après-midi, je me sentais vraiment pas bien. J'ai fait les madeleines hier soir parce que ma fille râlait un petit peu. Et le mari m'a dit, ouais, quand même, t'aurais pu lui faire les madeleines. Elle avait prévu de faire des madeleines. Donc aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui ma fille fait 13 ans, elle est née à 1h49 du matin. Voilà, en pleine nuit. Et donc, mon mari me dit hier soir, ouais, t'aurais pu lui faire les madeleines et tout. T'as dit que tu lui ferais et tout. Mais franchement, hier après-midi, je me suis pas sentie très bien. J'avais un peu de température. Je suis allée à Carrefour, mais je suis allée tard. J'ai discuté aussi avec Jessica et Paula un petit peu. Et hier soir, pic à la gorge, donc strepsil. Et j'avais encore du spray pour désinfecter la gorge. Ça m'a l'air d'aller un petit peu mieux. Je vais reprendre du Dafalgan ce matin, comme hier après-midi, hier soir. Et on va voir si ça passe. J'espère que je vais pas faire une angine parce que comment vous dire que si moi je chope une angine à 40 ans, même il y a quelques années en arrière, je suis en PLS pendant 5 jours et en suspense pour avaler ta propre salive. Je pense que tu vas connaître quand tu es là, comme ça là, pour avaler ta salive et que tu es en morphe, donc maintenant on dit en PLS pendant 5 jours. Voilà. Donc là, je me suis lavé la tête, je me suis détendue, je vais leur parler un petit peu. Je vais déjeuner, après je reprendrai un petit cachet, strepsil, le miel, le citron. Je me ferai donc le dessous du menton, les sourcils, je ne vous montrerai pas parce que je vous ai déjà montré dans des vlogs. Je mettrai mes soins, donc les soins c'est toujours Fenty Beauty, hein, tant que j'ai pas fini Fenty Beauty et je jongle avec la crème de chez Sienne qui est le dupe de Hello Body, voilà, que j'aime beaucoup, j'espère d'ailleurs qu'ils vont le ressortir. Donc je vais jongler avec ça, de toute façon c'est ce que tant que je termine pas, je prends mes petits gélules pour les cheveux et regardez que mes cheveux sont en train de repousser avec les gummies de Sephora, je vous dis à chaque fois, mais franchement ils sont top. Voilà, donc là j'ai Sandra qui m'en a offert d'autres marques, faudra que je teste pour voir la différence de prix. Ceux de Sephora sont pas très chers, ils sont à 15,99 et on a 60 gummies également. L'autre marque, je sais pas du tout à combien elle est, donc je prends ça. Ça, quand j'en ai plus, je vais le recommander au mois de novembre avec mon petit shampoing Virtue également que je suis en train de terminer et que je suis fan puisque. J'alterne avec les shampoings Jarrah Cosmetics. Jarrah Cosmetics, je n'en fais qu'un par semaine et après je jongle avec un autre shampoing. Voilà, donc et ensuite hier donc j'ai retrouvé, je suis allée à Carrefour et j'ai pris un autre spray Magic Retouche parce que moi j'en ai trois. J'en ai trois. Voilà. Donc j'avais acheté celui-ci, le brun, mais le brun est trop foncé. Voilà, ça fait beaucoup trop foncé. Donc ça, je pense que je vais le revendre sur Vinted, peut-être, ou à part. Si quelqu'un veut, je l'ai utilisé 2-3 fois, je vais le faire à 5 euros. Voilà, ça coûte 9,90. Voilà, je l'ai utilisé quelques fois. On peut voir, il est très peu utilisé. Parce que quand on l'utilise beaucoup, c'est crade. Hein. La pompe, elle est crade. Merde, focus, il veut pas. La pompe, elle est crade. Voilà, donc celui-ci. Donc voilà, si vous êtes intéressé, petit message en privé ou sous le commentaire, en mail ou Instagram. Et donc du coup, j'avais acheté le châtaigne. Donc j'avais fait le stock du châtaigne. Bon, le châtaigne me convient tout à fait. Hein. Voilà, mais là, j'ai trouvé le blond. Et je pense que je vais faire comme Marion Caméléon. Je vais d'abord mettre le blond foncé. Alors j'ai trouvé le blond foncé. Je n'y arrive pas. Le blond foncé. Donc vous verrez la différence. Ça, c'est le blond foncé. Et ça, c'est le châtaigne. Ouais, et je pense que si je smitch avec les deux,
Ça pourrait faire plutôt pas mal. Donc voilà. Donc ça, je l'ai payé plein pot. Hein. 9,90 à Carrefour. J'attends les promos beauté. Il y a les petites promos beauté à Carrefour. Mais les magiques retouches n'en faisaient pas partie. Voilà. C'était des très petites promos de chez Carrefour. Voilà. Donc si vous voulez y aller, il y avait des shampoings Axe. Il y avait du fond de teint de chez Bourjois. Poudre vernis à ongles. Dans mon Carrefour, hein, parce qu'il est tout petit. Peut-être que dans d'autres Carrefours beaucoup plus grands, vous aurez beaucoup plus de choix. Hein. Il y avait quoi? Des shampoings, des masques, des gels douche, des vitamines. J'ai hésité à les acheter, les vitamines à base de propolis. Bon, je ne les ai pas pris. Voilà. Donc, je vais déjeuner. On se retrouvera plus tard. Et puis, du coup, ben, je pense qu'on testera les magiques retouches ensemble pour voir ce que ça vaut. Je vous montrerai. Je me maquillerai puisque cet après-midi, je tourne donc la vidéo sur les produits Jayara Cosmétiques. Puisque là, ça fait un mois, je crois. Pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. Je crois qu'elle m'avait envoyé le 15 et on est le 12. Bon, soit pratiquement un mois, donc je peux faire un bon retour. Voilà. Je vous tourne ça cet après-midi. Et puis, je pense que vous l'aurez déjà vu ou peut-être pas. S'il n'y a pas le petit, c'est que je n'ai pas tourné la vidéo. Voilà. Des fois, j'oublie de mettre les liens aussi. Voilà. Bon, allez. Je dis souvent voilà. C'est très chiant. On se retrouve un peu mieux coiffée que ce matin et un petit peu make-upée. Je vais me dépêcher un petit peu parce qu'il faut que je tourne mes vidéos cet après-midi. Absolument, mais j'ai dit que je vous reviendrai. J'ai perdu du temps ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai la famille qui m'a appelée, la familia, qui voulait savoir quand ils pourraient appeler Laura, savoir à quelle heure elle finissait les cours. Donc moi, elle a des journées complètes le lundi, le mardi. Le jeudi, cette semaine, elle finit à 4, je crois, parce qu'elle a sa prof de français qui est absente, qui est souvent absente d'ailleurs. Mais autrement, elle a un planning chargé dans la semaine. Il n'y a que le mercredi et le vendredi où elle finit à 10 le mercredi et le vendredi à 3. Pour l'instant, je fais les transports, hein, je vous l'ai dit. Et donc, du coup, ben, en enchaînant les uns et les autres, ben, on discute 20 minutes avec les uns et les autres. Et au final, ben, la journée, loin, la matinée est passée super vite. Voilà. J'ai ma belle-maman qui m'a appelée. Parce qu'elle a envoyé une carte à Laura samedi, je crois. Donc, ben, elle est contente parce qu'elle dit qu'elle va recevoir sa carte. À chaque fois, je sais pas comment elle fait ma belle-mère, mais à chaque fois, elle tombe juste pile le jour des anniversaires. Je sais pas comment elle fait. Elle devrait travailler à la poste. Donc, et en plus, je crois que j'ai mal raccroché le téléphone, m'appeler ce matin, et après, j'ai discutaillé avec mes deux sœurs, et puis j'ai discutaillé avec un petit peu Jessica, puisque Jessica. Je t'oublie pas, hein, je vais te faire les photos des pet shops, juste que je te l'ai dit juste à l'instant que voilà, je me presse un petit peu, j'ai plein de choses à faire. Et en plus ça, le mari me demande de refaire des madeleines parce que oui, j'ai refait les madeleines hier soir. Et effectivement, ma fille avait mis beaucoup trop de pâte dans les moules, je les ai réussies. Et d'ailleurs, elles ont fait un grand succès. Voilà, il n'y en a plus. Je voulais en goûter une ce matin, mais je n'ai même pas pu en goûter une. Je les ferai juste après avoir tourné la vidéo. Alors, c'est vite fait, hein, franchement, les madeleines avec le robot Monsieur Cuisine ou si vous avez un Thermomix. Ou un batteur, ça va très très vite. Et c'est super bon. En plus, j'avais acheté des petites pépites de chocolat, donc j'en ferai des natures et des pépites de chocolat. Donc, au niveau make-up, là, j'ai suis à l'étape où je vais appliquer donc les petits sprays de chez L'Oréal, et en l'occurrence, on va tester donc le blond foncé et je vais mettre le châtain. Je vais faire comme un peu Marion Cameron parce que j'en mettais qu'un. Et donc, au niveau fond de teint, j'ai mis le Huda parce que je voulais le mettre. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas mis et celui-ci va basculer dans les teintes d'été. Alors, si j'en mettrais peu, ça passe. Ça passe, mais on voit que c'est légèrement peut-être un peu foncé. Voilà, donc faut que je fasse tourner mes fonds de teint et je n'en rachèterai pas de toute l'année. Il faut que je me force parce que j'en ai pas mal. J'ai le dernier que j'ai acheté de Urban Decay qui est très bien. Il est très joli celui-ci. C'est un fond de teint comme ça. Hein, c'est la mode, hein, les fonds de teint poudre comme ça. Il est trop bien. J'en ai pas mal. Bon, j'ai le Sephora que je suis en train de terminer jusqu'au bout.
Voilà, jusqu'au bout. Je l'aime trop celui-là. Celui-là, il faut que je me le rachète vraiment. Je le garde pour pas l'oublier. J'ai le dernier fond de teint de chez Lidl qui est plutôt pas mal aussi. J'ai le Yves Saint Laurent que je m'avais offert pour là. Le petit souci, c'est qu'il est beaucoup trop clair. Pourtant, elle me l'a pris normalement en bonne teinte. Hein. Elle me l'a pris en teinte beige. Mais il est beaucoup trop clair. Donc, je suis obligée de le smudger avec soit le Too Faced, soit une teinte foncée de chez Lidl. Hein, voilà. Je smitch. J'en ai trop. J'ai le Marc Jacobs que j'ai pas fini. J'ai le Walton White également que j'ai pas fini. Voilà. Donc cette année, j'ai dit pas de fond de teint à part celui de chez Too Faced. Celui-ci, si ils le remettent en solde et qu'il y a ma couleur, celui-ci, je le prendrai parce que c'est un de mes chouchous. Voilà, et je l'ai pris en teinte trop foncée. Je l'ai en warm beige, et moi, il me le faudrait en nude. Voilà, et à chaque fois, ben, la teinte, soit je m'y prends trop tard, soit elle n'y est pas dispo. Voilà, donc niveau fond de teint, il faut vraiment que je fasse un effort. Au niveau d'anti-cerne, j'ai mis mon chouchou, qui d'ailleurs, il est où? Il est là. Mon anti-cerne chouchou, celui de chez Fenty Beauty, celui-ci. Dès qu'il va se finir, je vais le racheter. C'est le Fenty Beauty et il s'appelle comment? Le Bright Fix. Je l'ai en teinte 06 melon comme Marion Caméléon. Franchement, je me suis dit ça va être trop clair. Et finalement, il est super hydratant. Il est trop beau. Voilà. J'aime trop le résultat qu'il a. Il est lissant un petit peu. Sans faire trop lissant, sans faire trop de paquets, sans que ça fasse trop épais. Soit je l'aime beaucoup plus que le Shy Tape. Voilà. Donc ça, je pense que je donnerai. Voilà, peut-être à mes sœurs. Je vais garder le Yuda parce que le Yuda, pareil, je ne suis pas fan de Yuda, mais je le garde. Voilà, parce qu'il m'en reste pratiquement plus. Ça, je l'utilise. Voilà, parce qu'il faut que je le finisse. Mais sûr et certain que les deux fonds de teint anti-cerne, je veux dire, que je vais racheter, ça sera celui-ci parce que je l'aime beaucoup aussi, mais il en faut très peu. Il me fait très longtemps parce qu'il est très, très courant. Mais ça, c'est sûr et certain que quand il finit, je le rachète. Le petit truc, c'est que celui-ci, il n'y a que 10 millilitres et que je l'ai payé ça 24 ou 25 euros. Et que celui-ci, il est beaucoup plus rentable puisque c'est un 15 ml. Voilà. Et il est pratiquement au même prix. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans le Fenty. Voilà. Donc, de toute façon, on fera un déglouteur. J'ai relevé mes sourcils et puis là, je suis à l'étape où je vais passer donc les sprays. Donc, ce que je vais faire, je vais passer d'abord en premier lieu le blond. Donc, le blond foncé. Hop, vous allez voir comment je fais. Tac, je ferme les yeux. Et je mets. Ben, c'est très light. C'est super light. Ça se voit un peu plus. Ah, effectivement, ça fait beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous mettre à la lumière du jour. Ça fait beaucoup plus naturel. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si, vous voyez les tout petits points que ça fait. C'est beaucoup plus naturel et donc après je vais mettre l'autre un peu plus foncé. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Donc là, je suis désolée, ça a bougé parce que j'ai pas mis le stabilisateur. Mais si je mets, ah, si je mets pas le stabilisateur, si je mets le stabilisateur, ben, il me fait pas le focus sur les produits. Alors, je vais essayer d'en remettre un petit peu. C'est tellement subtil, mais qu'on voit, on va en remettre. Voilà. Il est très joli le blond. Donc, vous voyez, j'appuie pas très fort. Et ensuite, je vais mettre juste un petit peu sur les zones ici, pas jusqu'en bas, juste ici au niveau des yeux. Donc, le châtain. Voilà. Là, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup plus, ouais, ça fait beaucoup plus naturel. Hop, et là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça parce que je suis pas sûre que vous percevez. J'arrive plus à ranger mes petits trucs. Ah si, les trois, ils rentraient, les trois. Hein? Pourquoi tu rentres plus là? Si, bon. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Tiens, j'espère que vous allez voir ce que ça fait. L'impression qu'on est contre. Oui, vous voyez? Ce que ça fait, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel parce que je mets plus de clair que de foncé et j'aime trop. J'ai trouvé mes deux couleurs pour faire mes taches de rousseur. Allez, je continue à me make-upper et puis je vous retrouve juste après parce qu'en plus j'ai plus de batterie.
Et ben voilà, j'ai fini mon make-up. Alors, je regarde si j'allume le micro. Oui, bon, j'ai mis un petit haut, je vais tourner. Là, juste que je suis en train de faire des photos pour Jessica, pour ses patch-up. J'ai Maïla qui est en train de lui faire, de les mettre tous par terre. Voilà. Donc, comment je me suis make-upée? Très simplement, vous allez voir, il y a juste le rouge à lèvres qu'on voit beaucoup puisque c'est un Yuda. Donc, vous voyez que j'ai fait un trait de liner. J'ai fait un marron très classique avec un beige au milieu et j'ai utilisé la palette de chez Sephora, donc de chez By Richard. La My Revival, j'aime beaucoup de By Richard, j'aime beaucoup. La qualité est juste trop jolie. Et en fait, j'ai utilisé le beige ici qui est trop joli, qui est le 23-3, et j'ai utilisé le marron ici d'Heidi. Ouais, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le clair sur toute ma paupière mobile et après j'ai juste mis du marron en haut. J'ai tiré mon trait de liner et j'ai fait un trait de liner à l'intérieur bascule blanc. Blanc ici. Et puis le rouge à lèvres, je vais vous montrer tout de suite parce que j'ai plus de batterie. Bon, j'ai un peu les cheveux foufous parce que je me suis lavé ce matin. Je vais juste raidir un peu la frange que j'ai pas fait. Et donc voilà, j'ai fait la bascule blanche à l'intérieur. J'aime beaucoup. J'arrive pas trop à faire comme une Instagrammeuse qui fait des make-up de ouf. La prochaine fois, j'essaierai de mettre des petits trucs là en tisane pour couper un peu mes sourcils. Là, j'ai pas le temps. Il faut que je tourne mes vidéos parce que j'ai plein de trucs à faire. Je vais mettre un petit piercing en direct là. Je vais le mettre dans la vidéo. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un Yuda. Les bullettes. Celui-ci, c'est la teinte Pool Party. Voilà. Bon, j'utilise un peu plus mes rouges à lèvres en stick parce que j'ai tendance à utiliser beaucoup les rouges à lèvres liquides. Mais vu qu'il m'en reste moins. Voilà. Donc la couleur, elle est comme ceci. C'est trop beau. Voilà. Donc pour le make-up, je vais te montrer la lumière du jour parce que je vais éteindre ma lumière ici. Voilà, on va dézoomer pour que tu puisses voir. Et voilà, donc c'est très simple, hein. Beige sur toute la paupière mobile, un petit marronné. J'ai juste travaillé donc mes bascules que j'ai pas très bien réussi. Donc ce côté, il faut que je le retravaille. Ça va pas. Et voilà, les taches de rousseur, un petit peu de bronzer. Juste, je vais mettre un petit bit à lighter. J'ai pas mis la lighter et le rouge à lèvres. Il est 18h17. Laura vient de rentrer. Je suis un peu colère parce que Laura a oublié sa veste dans le bus. Elle a été divertie parce que sa grand-mère l'a appelée sur le portable pour souhaiter bon anniversaire. Et du coup, bah, elle avait les madeleines vides dans le tupperware et elle a oublié sa veste. Au lieu d'appeler sa copine directement en lui disant, écoute, j'ai peut-être oublié ma veste, regarde. Non, ça s'envoie des textos. Mais le problème, c'est que les enfants ne sont pas tous accrochés sur le portable. Voilà. Donc j'ai dû appeler le service de bus, numéro en urgence, pour qu'il regarde une fois qu'il a fini sa tournée, si son parka est dans le bus. Mais comme apparemment il y a un lycéen qui a mis sa veste dessus, ben il a dû prendre sa veste. Et comme il n'y a pas son prénom sur la veste, ben, je pense qu'on ne retrouvera pas la veste, à part qu'elle ait un cul de babouin. Donc je suis un peu colère. Là, je suis en train de faire les madeleines. Je vous ai dit que je refaisais une fournée de madeleines. J'aurais pu les enfourner beaucoup plus tôt. Le problème, c'est que j'ai ma belle-sœur qui m'a appelée pour savoir si Laura était rentrée. Donc, Laura n'était pas encore rentrée. Donc, elle la rappellera sur 8h, 8h30. Elle se fait une petite sortie escapade toute seule, thalassothérapie. Elle a bien raison. Voilà. C'est tout. Écoutez, voilà le make-up. Oui. Je vous ai dit que je mettrais le piercing en direct, mais en fait, je ne l'ai pas mis en direct. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est un petit aimant qu'on enlève. Et il est super génial. Franchement, il fait la blague. Il fait vraiment la blague. Voilà. Vous voyez, hop. Ces deux petits aimants comme ceci. C'est celui que je portais dans mon make-up Halloween Mermaid. Voilà, bon là je me l'enlève parce que le mari s'il rentre et qu'il me voit avec ça au nez, il va demander ce qui m'arrive. Il va me dire que je fais la crise de la quarantaine. Donc ça c'est génial, vous voyez, quand vous voulez faire un petit look. Voilà, c'est pas fait, c'est pas définitif, c'est aimanté. Ben écoutez, je vous retrouverai avec mes jolies madeleines, je vous les montrerai. J'ai fait une enfournée simple, zeste de citron, et une autre fournée avec des pépites de chocolat.
lundi, il est 9h05 exactement. Je vais courir plus que tous les mercredis. Donc là, je vais faire mes petits soins avec vous. Donc, je nettoie mes yeux avec du sérum. C'est du sérum fille, ouais, c'est ça. J'avais perdu le mot. Je nettoie toujours ça avec mes yeux parce que je ne veux pas mettre de l'eau du robinet parce qu'elle est très calcaire et j'ai remarqué que ça me faisait plus de heures d'œil hors gelée. J'arrive pas à parler, vous tracassez pas, je suis pas très bien réveillée. Voilà, donc je fais ça avec le sérum fille. Donc ce matin, j'ai pas mal de choses à faire dans le sens que là j'ai déposé Maëlia à l'école. Je vais ensuite récupérer donc Laura puisque tous les mercredis elle finit à 10h et que le courrier est fait mais on attendait parce que il voulait changer un cours et du coup ça a été refusé hier donc je peux envoyer donc le papier. Voilà pour que demander un transport individuel pour Laura le mercredi à 10h parce que fin novembre, ça arrive, je vais commencer à travailler. D'ailleurs, la semaine prochaine ou en fin de semaine, il faut que j'envoie un message à la maman puisqu'ils vont être en vacances la semaine prochaine, le 22. Ouais, il faut que j'envoie un message cette semaine. Je lui enverrai un message en fin de semaine, là. Puisqu'ils vont être en vacances du 22 au 3 novembre, je crois, ou au 8. Et donc, j'aimerais déjà que la maman vienne avec le bébé quand il y a mes filles. Voilà. Et donc après, il faudra reprogrammer au mois de novembre deux autres adaptations. Voilà, une adaptation où elle donnera le bibi à son bébé pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, déjà, si elle peut. Et puis ensuite, me le laisser 1 heure ou 2 heures. Et après, soit une matinée, soit une après-midi. Voilà, il faut que je voie avec elle. Pour faire trois adaptations, c'est largement suffisant. Il n'en faut pas plus. Hein, voilà. Après, comme je leur ai dit, ça sera la demande des parents, mais bon, ils m'ont dit non, vous êtes tout à fait professionnel donc on va faire comme ça. Et puis ça approche, hein, mine de rien. Je me suis nettoyé le visage avec l'eau tonique de chez Lidl que je vais aller rincer là après. C'est l'eau tonique de chez Aloe Fraîche, la catégorie, puisque j'ai fini donc. Celle de Lidl toujours, mais celle qui était en dupe de chez Hello Body. Voilà, je vous l'ai présentée dans les produits terminés. Alors, je ne sais pas du tout si cette vidéo tu l'auras ou pas. Parce que je cours pas mal en ce moment avec les séries Halloween, même si je fais qu'une vidéo Halloween tous les vendredis. Les montages, ça demande énormément de travail. Je ne sais pas du tout comment elle fait Marion Caméléon. Bon, elle a un monteur, mais franchement, je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas comment elle faisait avant, je ne sais pas du tout. Franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que moi, juste une vidéo le vendredi, plus l'autre vidéo que je sors, et je sors que 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, je galère. Je galère en majorité parce que je n'ai pas de fibre. C'est très très long. Là, je suis en train de faire la lecture fluide du vlog que je vous sors tous les dimanches. Les vlogs sont très rapides à monter, c'est pas le problème. Par contre, le problème, c'est quand on fait des montages make-up, quoi. Moi, j'adore faire les montages make-up. Malheureusement, il n'y a pas énormément de vues. Je suis dégoûtée, quoi. Mon make-up mermaid. Je crois que j'arrive à peine à 100 vues et on arrive pratiquement à 1 semaine d'édition de vidéos. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Ça me démotive hein, des fois à faire ces vidéos. J'en fais beaucoup moins. Voilà, j'ai des fois des personnes qui me disent, ouais, j'adore tes make-up. On aimerait en voir plus, mais non, en fait, parce qu'il n'y a pas de vue, quoi. Ça fout les boules, quoi. Voilà. Je continue hein, en vous en faire. Il y aura d'autres vidéos crash test make-up. Mais bon, de toute façon, je pense que vous avez vu, si vous me suivez depuis longtemps, que il y en a beaucoup moins. Hein, voilà. C'est tout. Donc là, j'ai mis ça. Je vais aller rincer. Je vais mettre mes crèmes que vous connaissez. 9h56, je suis en retard. Histoire de ouf, faut que je vous raconte. Je m'en vais chercher Laura au collège, puisqu'elle finit à 10h, comme je vous ai dit. Et je vous ai dit hier que Laura avait perdu sa veste dans le bus. Donc, elle a fait retour du chemin pour voir si elle n'avait pas fait tomber par terre, sur le trajet qui est pas très loin hein, de la maison.
Rien du tout. Donc elle m'a dit qu'elle avait posé sa veste sur le bus, qu'un jeune lycéen avait posé sa veste dessus et que sa grand-mère l'a appelée en fait parce que hier c'était son anniversaire, elle a été divertie. Et donc je lui ai dit, écoute, appelle ta copine de suite, mais elle n'a pas voulu, elle lui a envoyé un message, mais la gamine entre-temps, ben voilà, elle est rentrée chez elle, quoi. Donc je l'ai grondée un petit peu. J'ai appelé donc le bus évidence, tout simplement parce qu'il y a des numéros d'urgence. Donc pour savoir si dans le bus il n'y avait pas une veste par cas noire, jaune, rayée de blanc. Et il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, je vais prendre la ligne, donc je vais donner la ligne, je vous rappelle. Et le monsieur m'a rappelé en me disant que non, il n'y avait pas de veste. Je m'en vais à l'instant chercher Laura, je suis en retard. Et qu'est-ce que je vois sur le chemin, mais pas sur le chemin habituel, sur l'autre chemin perpendiculaire, donc sa veste. Hein. J'ai vu un truc noir sur le côté avec les bandes jaunes, les trempes. Donc je pense que la personne qui a trouvé la veste l'a foutue par terre sur le chemin. Je pense que le jeune, il a dû voir que la veste ne lui appartenait pas, ça ne lui a pas plu et il l'a laissée sur le bord de la route. Voilà, donc personne ne lui a pris, grande chance. Donc du coup, je me suis garée sur le côté et je suis allée courir, la récupérer. Et j'étais en train de parler à Paula, elle va s'espanter Paula dans mon audio, tu te reconnaîtras. Et j'ai reconnu direct la veste, j'ai vu un tout noir sur le côté de la route, donc... C'était pas loin de chez moi parce qu'en fait chez moi ça fait comme ça, le bus il y a un stop, il arrête là et puis après il y a une route perpendiculaire comme ça. Et au bout de la route, il y avait la veste sur le côté gauche. Donc je pense que le lycéen a dû se rendre compte que la veste ne lui appartenait pas. Au lieu de la garder et de le redonner au bus en disant là moi j'ai pris cette veste par mégarde en prenant la mienne, je ne sais pas à qui aller. Donner à qui ça appartient, parce que surtout que j'ai appelé le bus, eh ben non, le gamin il a jeté par terre. Cool, super. Il n'y a pas de nom dessous, il n'y a rien. Donc s'il n'a pas pris, c'est que ça ne l'intéressait pas. Hein. C'est quelque chose de. C'est un truc de fille. Hein. Voilà, par cas noir avec des petits traits comme ça. Donc là, je vais la chercher, je vais dire, regarde ce que j'ai trouvé. Parce que ce matin, ils sont partis, mais il faisait noir, donc ils n'ont pas pu le voir. Mais moi, je l'ai vu et ce matin je ne l'ai pas vu. Pourtant je suis revenue en voiture, il n'y avait pas de truc noir. Alors est-ce que le gamin, non c'est tout trempe, bon ça a été mis dehors, ça hier soir, ça sent son parfum et tout, parfum Nox. Elle a pris Alien, hein. Il sent trop, il est resté toute la nuit dehors, ça sent Alien. Franchement les parfums Nox, allez-y parce qu'ils tiennent super bien. Je vous l'ai dit, là ça sent le parfum Alien. Elle a pris... le Alien homme. Oui, parce que ma fille prend des parfums homme. Elle adore les parfums homme. Voilà, donc là, je vais aller la chercher. Je suis en retard, mais bon, ben, je vais lui dire. Voilà. Donc, je ne me suis pas trop coiffée ce matin parce que cet après-midi, je vais faire un make-up sanglant, mais débutant, hein, vous allez voir. Hein. Dans ma série Halloween, vous verrez, allez voir, c'est pas que des make-up jolis. Et c'est surtout, il y a un peu de tout, il y a des challenges. Il y a pas mal de trucs, donc ça, j'ai ça autour du cou, c'est au cas où on m'appelle, que j'ai eu sur la plateforme Eventsy. Et vous verrez, hein, tout ce que j'ai préparé, il y a des trucs quand même qui, je sais pas du tout si je vais réussir, et je pense qu'on va rigoler, je vais pas faire un truc, de toute façon, je suis pas une pro au niveau du make-up, hein, qu'on soit d'accord. Mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos make-up, que je propose puisque je vous fais une vidéo tous les vendredis à 8h. Voilà. Là, écoutez, je vais récupérer Laura. Voilà, je suis totalement démaquillée. Ça fait trop du bien. Donc, je me suis attachée les cheveux comme ça et comme j'ai l'habitude de me faire pour lever les cheveux. Parce que j'en avais un peu dans les cheveux. Je vais m'enlever ce haut parce qu'il a pris cher, ainsi que mon micro parce qu'il a pris cher également. Prenez un haut que vous ne tenez vraiment pas pour faire ce style de make-up. Ou achetez un haut vraiment pas cher avec un col qui monte beaucoup plus haut pour que vous ayez... un meilleur rendu et surtout que vous soyez pas dégoûté, puisque bien sûr que je pense que ceux qui vont faire ce style de make-up vont le porter pendant des heures. Donc prenez quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Voilà. Bon, moi je vais pas
porté toute une soirée, je l'ai porté même pas une demi-heure, je me suis démaquillée. Et ça va partir au sale, et surtout moi je supporte pas l'école comme ça. Voilà, toute démaquillée, ça fait du bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier que il faut tout ranger. Eh oui. Vraiment, vraiment tout rangé. Voilà. Donc ça va encore pour ce make-up, j'ai pas eu beaucoup de bordel. Ça va, il n'y a pas énormément de matériel non plus. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi d'utiliser des vieux pinceaux aussi, que vous avez des vieilles éponges. Voilà. Donc maintenant, bah écoutez, hein, on va tout ranger. Donc si on se retrouve, je vous ai dit que j'avais et je devais recevoir ma commande Sephora. Chose faite, donc j'ai déjà ouvert préalablement le colis. Je n'ai pas regardé dedans, donc j'ai juste ouvert pour pas qu'il y ait de bruit. Et j'ai reçu des petites boucles d'oreilles, du moins une paire de boucles d'oreilles, puisque j'ai changé mes boucles d'oreilles que j'ai juste ici. Voilà. Donc sur AliExpress, on trouve des pépites. Alors, déjà, j'avais acheté des espèces de diamants qui ont très bien tenu, qui ne se sont pas oxydés, qui ne sont pas devenus noirs, qui m'ont pas fait de réaction allergique. Et donc là, j'ai pris beaucoup plus petit. Alors j'ai pris une petite croix et un petit éclair, mais le petit éclair, il est super petit. Et donc j'ai trois trous et le troisième il s'est bouché. Alors je sais qu'une année quand j'étais allée dans ma famille, ma soeur connaît donc la femme c'est une perceuse et le mari c'est un tatoueur, elle me l'avait débouché et du coup ben, je vais essayer de me le déboucher mais je pense que je vais me... Okay. Là. Et donc sur AliExpress j'en ai trouvé une autre paire. Alors j'en ai acheté une autre paire du même style que Marion, un anneau avec la croix qui pend que j'adore. Ben, j'ai retrouvé approximativement le même. Voilà. Et donc là, j'ai pris un anneau simple, tout petit, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, avec des petits diamants, comme ça. Trop beau, je veux dire. Et donc, ben, je ne sais pas du tout si je vais arriver à le mettre ou pas. Et donc, l'anneau quand même est assez gros. Voilà. Donc, je vais voir, ça, je le mettrai hors caméra, puisque je vais m'énerver. Déjà, pour mettre ces petits trucs-là, hein, la petite boule derrière, hein, j'ai galéré. Donc ça, je le mettais tranquillement. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu d'AliExpress. De toute façon, vous aurez un haul AliExpress qui arrivera novembre, décembre, je sais pas, parce que j'ai pas mal de vidéos que j'ai faites à poster, puisque je prends un peu d'avance. Et puis, je pense que début novembre, je commencerai à déjà filmer quelques vidéos, make-up, qui arriveront donc à Noël, puisque je travaille et que je ne sais pas le temps que j'aurai. Donc sur Sephora, donc j'ai déjà ouvert le carton préalablement. Il me semble que le carton est petit. Et j'ai commandé quelque chose, j'avais envie, voilà, vous aurez le boxing. Je vais vous le spoiler là, hein, mais juste le carton. Mais il faudra regarder le boxing. Je ne sais pas du tout si ça sera fait avant ce vlog ou pas, je ne sais pas du tout, je ne sais pas. On verra. Donc, vous aurez le petit sur l'écran si vous regardez donc cette vidéo avec le portable. Si vous regardez sur grand écran, malheureusement, vous ne verrez pas le petit i. Voilà. Niveau échantillon, je ne sais pas du tout comment ils se sont démerdés. Donc là, déjà, j'en ai deux. Donc, j'ai demandé d'avoir l'échantillon du Dior Backstage parce que j'ai vu qu'apparemment, il était super bien. Mais voilà, c'est pour tester. Je vous ai dit que niveau fond de teint, il faut que je me calme la noisette parce que faut que j'en finisse. Voilà. J'ai pris le Clinique. J'avais bien envie de le tester, celui-ci. Je n'entends que du bien. Celui-ci, c'est le sérum correcteur anti-rides. Voilà. Clinique. Il est violet comme ceci. C'est très bien. Et ensuite, j'ai pris le parfum Sauvage de chez Dior. Qu'est-ce que j'ai commandé? À vous entendre Hatchoum. Si Laura commence à faire Hatchoum, on va attendre Hatchoum tout le long de la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé? Là, je suis un peu déçue. Bon, vu le prix, je m'attendais pas à un truc très très gros. Voilà. Mais on va voir. Donc, j'avais envie de me faire plaisir cette année. Je vous ai fait pas mal de vidéos calendrier où je vous spoil, je vous fais des visuels. Mais je n'ai jamais unboxé un calendrier. À part un calendrier de thé. Mais je veux dire des calendriers, vous savez, de beauté. Et donc, il y a un petit calendrier qui est sorti que je ne vous en ai pas parlé. Voilà. Donc, au prix de 29,90 €. Et sachez que vous avez le bon 10 qui marche. Alors, des fois, il marche pas, mais il marche assez régulièrement. Je peux pas vous dire les dates prédéfinies parce que un coup ça ne marche pas et puis ça revient. Donc voilà, c'est bon 10
en majuscule et ça vous donne moins 10% sur tout le produit. Donc là, j'ai eu moins 10% sur le calendrier de l'Avent de Sephora. Alors, c'est un tout petit, hein. C'est 6 cases et à l'intérieur, on a 12 produits pour 29,99 ou 90, je trouve qu'il était plutôt pas mal. Alors, je vois qu'il y a les produits derrière, je vais pas me spoiler. Je le voyais un peu plus gros, mais bon, en même temps, voilà. Donc, on verra bien. Alors, en fait, il s'ouvre comme ça et on tire les petits trucs. Ça, je pense que je le garderai pour refaire peut-être un calendrier d'Avent, swap de Noël, je ne sais pas, voilà. Ou pour faire aussi une idée de vidéo. Voilà, donc on verra. Donc ça, hop, c'est rentré. Je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à le rentrer. Je me suis commandé la palette Jaguar de chez Yuda. C'est la collection Wild. Donc franchement, les deux qui me font envie, c'est la Jaguar et la Python. Les deux autres, non. Voilà, il y a la rouge, je crois que c'est Caméléon. Et là, il y a la nude. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, voilà. Donc, hop, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Et celle-ci, franchement, voilà, je l'ai pris. Parce qu'il y a un grisâtre. Bon, après, il y a du marron. Du noir, j'en ai très peu. Je pense d'ailleurs qu'en faisant mon déglutteur, je vais revendre une palette Morphe que je n'ai pas accrochée. Et que beaucoup de couleurs que je peux retrouver dans les Flawless. Mais surtout, il y a des couleurs un peu spéciales. Vous savez, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ça, on en retrouve dans les palettes Yuda, hein, franchement. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Le grisâtre ici. Celle-ci, bon après c'est du nude, voilà. Donc elles sont au prix de 29 euros. Il y a la Jaguar, donc que j'ai, et il y a la Python qui me dit beaucoup aussi. Voilà, donc ça, je suis contente. Ensuite, j'ai pris donc une nouveauté aussi de chez Yuda, et ça, ben. Je suis influencée par Marion Caméléon de toute façon. Donc à la base, c'est un mascara top coat qui va permettre, lorsque vous l'appliquez, de faire tenir vos mascaras et que ils deviennent waterproof. Voilà, je pense. Et elle, donc, dans sa vidéo, elle s'en sert. J'ai pas envie de niquer le packaging, mais je pense que je vais le niquer. Voilà. Je pense, hein, je pense, je pense. J'ai pas envie parce que vous savez que moi, les packagings, je les garde. Voilà, et donc, oh, il est trop beau. Mais je sais pas si c'est ça. C'est pas le même. S'il faut, je me suis trompée. Mais non, c'est ça. Voilà. Donc, non, non, c'est ça. C'est ça. C'est un gel qu'on vient mettre comme ceci. Faudra que je regarde si je me suis pas trompée. Et en fait, je vous montre là. En fait, c'est un gel que vous mettez sur les mascaras. Et ce gel va permettre. C'est un top coat résiste à l'eau. Voilà. Tout simplement. Mais elle, Marion Caméléon, elle s'en sert pour mettre ici. Et apparemment, ça fixe super bien. Mais je suis pas sûre que ça soit le même packaging. Putain, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que alors là, je vais me haïr. Mais je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc. Ça, je crois que j'ai payé ça 19,90 € 19 et il y a 7 millilitres dedans. Donc 4 millilitres. C'est un peu cher. Ensuite, pareil, influencé par Marion Caméléon, j'ai pris ceci. C'est les Dazzle Stick de chez Kat Von D. Et j'ai pris la couleur Elle Sugar. Voilà. Moi, j'ai vu un make-up qu'elle avait fait Marion Caméléon. Elle avait juste mis ça. En paupière mobile, et elle avait tiré un trait de liner. Voilà, donc c'est très joli. Et en fait, c'est des fards alors qui s'effritent très, très beaucoup. Beaucoup, ouais, faut faire attention parce que c'est très gras et ça s'effrite. Mais apparemment, il a des reflets de malade. Voilà, donc je le sors pas parce qu'on le testera. Voilà, donc je me suis pris ceci. Apparemment, voilà, il a plein de couleurs trop, trop jolies. Donc, ouais. Donc ça, je crois que j'avais payé ça 23 euros. Si vous achetiez donc un produit de Sephora, vous aviez donc une petite eau démaquillante yeux waterproof. Ça, je ne le garderai pas. Ça sera pour vous dans le concours. Voilà, je vais le mettre sur le côté et je le mettrai en concours. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal quand même. Ben là, parce que si on accumule les petits produits, hein, ben, vous faites vite le compte. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je ne veux pas plus vous prendre. Comme ça, moi, je range tout ça. Et c'est bon pour la journée. On a fini. Donc, on se retrouve demain.
On est jeudi, j'allais dire vendredi, non, jeudi. La semaine passe trop vite, franchement. Je vous prends, il est que 14h13. Je voulais me make-upper ce matin pour pouvoir effectivement unboxer le calendrier de chez Sephora. Le souci, c'est que j'ai des papiers à faire. Donc déjà, il a fallu que ce matin, j'appelle le taxi. Tout simplement parce que ben, effectivement, les papiers ont pris plus de temps et que ben, en appelant hier. Le taxi, normalement, il devait prendre un transport vendredi et commencer pour Maëlia. Le problème, c'est que Maëlia était donc acceptée, mais elle n'était pas sur les plannings et il s'est trop avancé, le mec du taxi. Et du coup, la secrétaire lui avait mis un déplacement sur Toulouse. Voilà, donc ce n'est pas bien grave. Comme je lui dis, je ne travaille pas pour l'instant, donc je peux assurer les transports. Donc il a fallu que je le rappelle ce matin, puisque ça, c'était hier. Donc c'est bon, il commencera la semaine prochaine. J'ai dû appeler aussi la maman, donc je lui ai laissé un message, elle ne m'a pas répondu. Peut-être lui envoyer un texto, peut-être que le vocal ne l'a pas eu et peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Pour commencer les jours d'adaptation, donc on avait dit qu'on commencerait mi-octobre, fin octobre, et étant donné qu'elles sont en vacances le 22, pour voir avec elles déjà la première adaptation et voir pour les placer. Donc 2 autres au mois de novembre, puisque normalement, je dis bien normalement, je commence le 25 novembre. Je vous ai pas repris puisque non plus j'ai des papiers et paiements à faire. Donc hier après-midi j'ai payé donc des taxes foncières. Plus taxes d'habitation, ça fait plaisir. Comment te dire que chaque année ça te met mal au fion. Voilà. Bon, c'est payé. Il ne manque plus que la taxe d'habitation que pour le moment. Nous payons plus, on paye que la redevance visuelle, donc ça soulage un petit peu, voilà. Surtout à ces périodes-là où Noël va arriver. Et j'aurais dû me make-upper et unboxer le calendrier. Le souci, c'est que je suis en attente, en suspense pour Laura, puisque elle devait finir à 4 heures, mais normalement, elle savait pas si elle avait un remplaçant ou pas. Voilà, les profs lui ont dit un prof qu'ils auraient un remplaçant, mais ce n'est pas sûr, donc elle m'enverra un message. Alors peut-être que elle ne sait pas, elle verra bien si à 4 heures elle a sa prof de français. Si elle n'a pas, ben, elle va devoir m'envoyer un message et je vais devoir la récupérer. Et aussi, je devais résoudre un petit souci au niveau de la cantine parce que j'ai reçu l'échéancier hier et que sur l'échéancier, il n'y avait aucun prorata de réduction vu que je pense que vous vous souvenez que ma fille a dû revenir donc pendant 10 jours à la maison. Par rapport au cas contact Covid et qu'elle a dû faire 2 tests de PCR et donc pendant 10 jours elle a été absente. Alors effectivement j'ai dit que c'était 10 jours qu'elle n'avait pas mangé. Non madame, comment vous comptez? C'est 6 jours. Oui effectivement, 6 jours qu'elle n'a pas mangé à la cantine, qui vont donc déduire au mois de décembre. Voilà. Puisque là, ils ont fait les échéanciers, je recevrai une facture, effectivement, je paierai moins cher. Donc, bonne nouvelle, parce que ce matin, la dame de la vie scolaire m'a un petit peu fait peur et je me suis dit. Comme tu es à tendance à t'énerver très vite, faudrait pas que par rapport au Covid, oui, parce que le Covid a un bon dos, hein, beaucoup de choses non remboursées, mais là, oui, pour le remboursement du Covid, ouais, pour la cantine, c'est pris en charge. Voilà, donc après, ça peut être très bien de ne pas être pris en charge, mais si c'est pas pris en charge, j'aurais poussé ma gueulante parce que pendant 6 jours, elle n'a pas mangé à la cantine, je vais pas payer moi pour 6 jours où elle n'a pas bouffé, quoi. Voilà, donc non, non, c'est pas le cas, c'est remboursé, donc je n'ai pas tapé ma gueulante, juste qu'elle m'a cloué mon bec, mais bon, ça, hein, dans la vie, on se trompe, hein, on n'a pas la science infuse. Que j'ai dit qu'elle était absente 10 jours, j'ai insisté et elle m'a demandé comment je comptais. Non, c'est 6 jours, madame. Absente de à e, voilà, de temps à temps. Et puis effectivement, ça fait 6 jours, voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, hein. Coucou, on est vendredi et je suis dans mon véhicule. Je viens de déposer Maëlia au centre CMP. Et il est 9h pile. On est arrivé pile à l'heure. Voilà, donc là, c'est mon dernier transport, puisqu'après, c'est le taxi qui prend le relais mardi prochain. Donc, je suis contente. Voilà. Donc là, je remonte chez moi parce que je ne vais pas rester 1h30 dans la voiture. Je remonte, je vais me make-upper parce que je ne sais pas du tout si cet après-midi je vais faire le boxing du calendrier.
Ça serait bien que je le fasse parce que la semaine prochaine, j'ai bien envie, à part le make-up mercredi, Halloween prévu, de commencer à faire des vidéos pour le mois de décembre. Voilà, parce que bon, là, j'ai des décalages au niveau de mes vidéos, donc j'ai des vidéos qui vont arriver au mois de novembre. Bon, après, j'ai les vidéos à tourner aussi au mois d'octobre. Donc, j'ai bien envie de tourner certaines vidéos pour les caler en décembre ou voire novembre. Voilà, il faut que je m'organise puisque bon, moi le 25 novembre, je vais commencer à travailler. Alors pour l'instant, je commence à travailler tout doucement, comme je vous l'ai dit. Mais il faut que je commence à faire ça. Et donc cet après-midi, je voulais unboxer donc le calendrier que vous avez vu que j'ai acheté sur Sephora, qui m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, j'ai eu mon œil qui a vu quelques produits qui étaient plutôt pas mal. Alors je pense pas que je vais tout garder. Je pense que j'en mettrai peut-être un ou deux dans le concours. Vous allez avoir un concours de malade hein, sur pour Noël, hein, je vous le dis. Donc qui sera envoyé en janvier. Hein. Bah, tout simplement au niveau du swap de Noël, il n'était pas prévu le swap de Noël. Voilà, c'est un swap que j'avais prévu avec une youtubeuse qui me l'a foutu à l'envers, clairement. Hein, voilà, plus signe de vie. Voilà, on a bien échangé. Swap de petit prix qui n'a pas voulu l'annuler, mais qui au final, voilà quoi, plus de nouvelles. Donc, moi qui suis une personne, si vous me suivez. Quand je prévois de faire un swap avec une personne, je suis pas du style à tout acheter d'un coup. Voilà. Parce que ben, j'ai une vie à côté et qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Je peux très bien avoir une couille dans le tuyau. Hein, voilà. Donc, du moment où je dis qu'on fait un swap, ben, moi je commence à acheter un petit peu tous les mois, un ou deux produits. Donc, du coup, cette personne-là savait que moi j'avais pratiquement fini mon swap. Voilà. Alors même si c'était un swap à petit prix, hein, voilà. Ben, quand on accumule 1, 2, 3, 4 euros, ben, au final, quand on additionne, on arrive à un swap de 50, 60 euros, qui au final, vous aurez compris. Donc du coup, j'ai décidé que ces produits iraient dans un concours de Noël, puisque je suis pas loin des 7000 abonnés. Je vous ai pas proposé de concours, je crois, pour les 6000 abonnés. Parce que franchement, je vous le dis sincèrement, les concours, j'en ai fait pas mal à mes débuts. Et j'ai vu qu'en fait, les gens s'abonnaient juste pour les concours et qu'après, les gens se désabonnent. Et on a même des gens qui, lorsqu'ils réceptionnent leur colis, ne viennent même pas dire merci. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ben, voilà, vous faites les choses parce que vous êtes content. Vous le faites avec plaisir, mais je pense qu'il y a un minimum derrière aussi, la reconnaissance. Il faut qu'elle soit là. Bon, là, je vous fais un concours de Noël parce que ces produits-là, voilà, ils vont pas dormir dans mon placard. Puis surtout, j'ai pas mal de produits de soins et tout. Donc, j'en ai donné pas mal à mes soeurs. J'ai fait un dégoûteur, je leur ai donné pas mal de rouge à lèvres ainsi qu'à ma mère. Des palettes que je leur ai aussi données. Donc, je me suis dit, ben, j'en ai mis un petit peu pour quelqu'un, voilà, pour deux personnes, je crois, et puis le reste, je vous l'ai mis dans un concours qui arrivera à Noël. Donc, déjà, je vous ai rajouté la petite eau micellaire de Sephora que moi j'ai en grand format et que j'ai pas testé encore. J'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire, voilà. Et puis que celui qui réceptionnera le colis, ben, sera content. Il est 10h21, j'ai rien foutu à la maison, je me suis make-upée, j'ai fait les lits. Alors je me suis make-upée, vous verrez, de façon très light, hein. Eyeliner, j'ai remonté mes sourcils. Alors les sourcils, les gens, je sais qu'ils vont me regarder bizarre parce que les sourcils ça fait bizarre, mais moi j'aime bien, hein. Tant que moi j'aime bien, j'ai envie de vous dire, je m'en bats le steak. Donc je vais chercher Maëlia là, je me suis make-upée. J'espère que je ne vais pas avoir les yeux qui vont pleurer parce que j'ai juste fait un trait de liner et j'ai mis du mascara. Après, j'ai mis mes taches de rousseur, blush, bronzer, le petit rouge à lèvres très discret de chez Goldrons que j'ai acheté là dernièrement, que je pensais que c'était celui que je voulais, mais non. Et je sens que je commence à pleurer sur les yeux ici. Donc, j'espère que ça va tenir jusqu'à 4 heures pour tourner la vidéo. Voilà. Écoutez, ben là on a le soleil qui est en train de sortir. Il est 10h23, 24. Et du coup,
comment dire, que il fait que 8 degrés. Je vais arriver en retard. La fille de CMP va attendre. Hein. Chaque fois, je dis qu'il faut que je parte un peu plus tôt. Et à chaque fois, je pars juste. Voilà. Donc, du coup, je fais ça. Je récupère mes courses. Je remonte à la maison. J'ai à continuer à faire le ménage. Voilà, j'ai fait les lits. Mais il faut que je rentre, je fasse un peu à manger, passer l'aspirateur. Et puis voilà, et puis cet après-midi, Maëlia ira à l'école. Donc, je ne sais pas si je clôture maintenant ou si je te clôture après. Je ne sais pas. Moi, sûrement après, je vous clôturerai pour vous donner mon impression. Peut-être si j'ai tourné la vidéo de l'unboxing du calendrier Sephora. Voilà, allez, je vous laisse parce que tout à l'heure, à l'aller, je ne vous ai pas pris dans le véhicule parce qu'il y avait pas mal de flics. Je sais pas du tout ce qui se passe. Donc voilà, je clôture là maintenant. Et puis on se retrouvera après. Je vous donnerai mes impressions sur le calendrier Sephora. Et s'il n'y a pas de suite, eh ben, le vlog s'arrêtera là maintenant. Et on se retrouvera bien sûr pour un prochain vlog la semaine prochaine. Allez! Go. Il est 14h46, je vous clôture le vlog ici juste pour vous donner mes petites impressions sur le calendrier Sephora. Il est plutôt pas mal. Voilà, je vous invite fortement à aller le voir. Je pense qu'il sera déjà sorti lorsque tu verras ce vlog, mais il est vraiment pas mal. Alors, j'ai opté de dire que ce calendrier, il n'y a que 6 cases puisqu'il s'ouvre, je crois, à partir du 24 ou du 26 et que dans chaque petit contenant, il y a 2 produits. Et pour le prix de 29,90€, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et il ferait un bon petit cadeau au pied du sapin. Voilà. Donc, je pense que je te l'aurais déjà spoilé en vidéo. Là, je me grouille parce qu'il faut que j'aille chercher Laura. Elle finit à 15h. Donc, je te mets dans le petit juste ici. Si tu le regardes sur le portable, tu auras le petit qui s'affiche. Donc, du petit calendrier de l'Avent Sephora. Et voilà. Donc, il y a 2 produits que je ne garderai pas, que je vous mettrai donc dans le concours qui est déjà bien conséquent. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui se rajouteront. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous clôture le vlog ici. Je vous remercie à tous pour votre bienveillance, pour vos messages, de me soutenir et de regarder les vlogs. Ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous retrouve bien sûr pour un prochain vlog. Allez,